Buonasera a tutti, ringraziabbi di seguire noi per l'informazione orientata a François Corse via Stella. Principiamo come sempre con i titoli di ostro nudiziale. Il governo nuovo di Elisabeth Borne è stato presentato oggi. Geraldo Darmanin ferma ministro dell'interno e avrebbe dunque attendere il cartolo ricorso allora che lo aspetta sempre il principio di scorsate con le leti ursi. Enrico Polanyi condannato a 30 anni di prigione e requisizione sono state eseguite, questo era giudicato per la terza volta da Corte d'Assise d'Aix-en-Provence per l'assassinio di Antoine Nivagioni, dirà nel 2010 in Ajaccio. 4 giorni dopo la nominazione come prima ministra, Elisabeth Borne ha composto e presentato il governo. Il primo consiglio dei ministri si danerà lunedì all'Elysée e Geraldo Darmanin ci sarà, che è sempre il ministro dell'interno. Questo ferma in noi un interlocutore importante per la Corsica, che dirà in carica di ugartulare l'isola dopo l'avvenimento di Van Colonna. Femmo punto in cui Dominique More. 4 ore e mezza, nel badetto dell'Elysée, Alexis Colère annuncia un nuovo governo. I tre prima vengono da Madrid. Sur la proposition de la première ministre, chargée de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Come tu l'avevi detto ieri stesso in quelle letti scontri in Corsica, Gérald Darmanin è mantenuto nel suo posto in cui cartulare Gorzo. A Bulegia, in noi membri c'è Catherine Colonna, ministra degli affari stranieri. A donna, Duridiana Gorza, era portavoce dell'Elysée sotto Jacques Chirac. Eric Dupont-Moretti, che conosce bene gli affari isolani per via di suo anziano mistero, si ferma a giustizia. Amélie de Montchalin è nominata a transizione ecologica e a guisione dei territori in cui Christophe Béchu, come segretario di Stato incaricato di collettività territoriali, tre mendù vengono da Madrid. Il governo è composto di 27 persone, 13 noelli e 14 che c'erano di già, in cui 13 donne a parità è rispettata. Di modo generale, c'è poco sospreso fuori capodarsi Papa Ndiaye all'educazione e Damien Abad ai solidarietà, l'autonomia e i persone handicapati. Parliamo ora delle elezioni legislative. Questa informazione è cascata stamane. In un secondo circondo a Pumonte, Camille de Rocasera non andrà a battaglia fatavine. Malgrado la sua partecipazione a un nostro dibattito e al principio della campagna, non ha mandato la sua candidatura a breve tour a Villassina o di Befalla. In un circondo di Burtivetio sostenerà a Valérie Bozzi, Mary Grossetto Prugna, che viene come lo da dritta. Stiamo assente a Camille de Rocasera e a Valérie Bozzi. Nous sommes avec Camille de Rocasera qui avait annoncé sa candidature et qui finalement ne la déposera pas. Camille de Rocasera, bonjour. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez pris cette décision que beaucoup n'attendaient pas? Oui, bah écoutez, c'est une décision mûrement réfléchie. J'ai passé 2 jours de réflexion après avoir constaté que certains de mes amis, entre guillemets, de ceux qui sont représentants de collectivités, considéraient que ma candidature ne pouvait pas s'imposer au deuxième tour, que ça risquait de diviser davantage et que donc c'était pour me protéger, en fin de compte, qu'il considérait qu'il valait mieux que je me retire. Alors j'ai bien réfléchi parce que pour moi, une élection législative, ce n'est pas une élection cantonale ni une élection intercommunale, c'est une élection pour proposer, avec des convictions et des valeurs, pour proposer un projet, pour proposer une vision. Surtout cette année où nous aurons des discussions engagées avec le gouvernement de la République. Et moi, je suis prêt à travailler à ce niveau-là. Donc c'était ça qui m'intéressait. On connaît mes valeurs, on sait ce que j'ai fait par le passé comme parlementaire. Je pensais que c'était utile. Certains ont considéré que ça ne suffisait pas, ont eu un comportement de cuisine électorale arithmétique, alors que partout où je suis passé, partout j'ai vu des soutiens nouveaux qui arrivaient, qui étaient très intéressants, parce que justement basés sur les convictions que je portais et la méthode de travail que je portais et les objectifs que je portais. Camille de Rocasera ne se présente pas finalement, il vous soutient mais vraiment du bout des lèvres.
Écoutez, je pense que ça a dû être une décision difficile à prendre pour lui, parce que je connais son engagement et sa passion pour la politique et pour cette circonscription. Mais je pense que c'était une sage décision. Et en tout cas, moi, j'étais à ses côtés en 2017. Donc je suis ravie de savoir qu'aujourd'hui, il est à mes côtés dans cette élection qui sera un combat, mais qui est important pour l'avenir de notre circonscription et pour l'avenir de la Corse. Je crois que c'est cet enjeu-là qui prévaut au-delà de toute différence. Indiustiz a gorté d'assises d'Aix-en-Provence a rezo a zo eschizion e stu dobu mezzion per o derzo bruge su Derrick Coppolani, que su diudigado per l'assassinio d'Antoine Nivaljon il 2010 e stato condannato a 30 anni e brigio come in prima instanza di ciò che l'abbiamo mandato in l'avvocato generale Marie-Françoise Stefani e Ermine Costa. Debout dans le box, veste de costume et chemise noire, Éric Coppolani a semblé sonné par le verdict. La cour l'a condamné à 30 ans de prison et pour la troisième fois l'a reconnu coupable de l'assassinat d'Antoine Nivaggioni. C'est la troisième fois que sa culpabilité est acquise. Je pense qu'il est difficile de ne pas en déduire que dans ce dossier, comme cela m'apparaissait dès l'origine, les éléments sont particulièrement solides et la culpabilité ici a été considérée comme certaine par trois formations de cours d'assises différentes. Les avocats de la défense avaient demandé l'acquittement. La cour d'assises a suivi les réquisitions de l'avocat général. Nous verrons avec M. Coppolani, mais de toute évidence, nous allons bien sûr inscrire un pourvoi en cassation. Nous avions à cet égard relevé trois moments du procès qui nous paraissent poser problème. Bien sûr que nous nous engageons certainement dans cette voie. À l'issue de son troisième procès, Éric Coppolani est condamné à 30 ans. La peine prononcée initialement par la cour d'assises. En appel, il avait été condamné à 25 ans. Altro bruge su stolta guida onta corte d'assise di Corsica Sutana, da voia settimana passata, otto persone d'origine rumane comparisciavano per racket, pro a domicilio e forzatura, di racconta due commercianti Bonivazin che in 2018, stuvo mezz'ora sono state domandate dall'avvocato generale condanne che vanno da 3 a 24 anni di prigio contro eli, a difesa parlerà l'unico banne. Parliamo ora di st'innovazione in Piaggia Orientale, in un circondo d'Aleria, un'impresa di Edaboi Pogo a Brima e Francia, Fabiadia, e sua macchina l'idrogeno verde con elettricità al principio, per avere la tecnologia un bianco a livello economico, ma il gruppo si appronta già aspettando che lo scambiasse il mercato. Spiegazione di Frederic Danesi con Enzo Giuliano. Silenziosi, sti carrozzi martano a 100% all'idrogeno verde, bisogna qualche minuto per caricarli. Di concretizzazione di un progetto nato 3 anni fa, desta impresa Ibiad Orientale specializzata nell'isolazione. Il sistema è semplice, fu presentato ai partenari e all'istituzionale. Notre installation est constituée de panneaux photovoltaïques qui produisent de l'énergie à partir de solaire, qui vont alimenter donc nos deux électrolyseurs. Donc cette énergie va servir à séparer la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène, lui, va être stocké, comprimé pour servir finalement de carburant à nos chariots élévateurs. L'oxygène, lui, aujourd'hui n'est pas encore valorisé et va être rejeté dans la nature sans impact environnemental. Se l'impresa corsa e prima sfrutta l'idrogeno verde per muoversi, l'investimento non è ancora rentabile. 1,5 milioni d'euro in cui l'aiuto di un Stato e anche di territori. L'obiettivo è di farsi la valenza in questo mercato e sviluppare l'attività per proporre questa tecnologia non a tutta l'isola, l'anno bene. Tout le monde travaille d'arrache-pied pour obtenir des camions, des trains, des véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène et qui soient commercialisables à un prix raisonnable. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Ces éléments existent, mais ils sont très très chers encore. Donc ça va descendre doucement. Et donc l'idée, pour nous, c'était de se préparer en apprenant ce nouveau métier pour être prêt quand les camions seront disponibles et accessibles en termes de prix d'achat, quoi. Longa strada per sbucare spart questa faccenda per i trasportatori l'isola, in più di un prezzo più caro che il carburante, a Bruzionella e poca per agua. Un avio appena originale a Wafidia di una regina d'Etrus che erano eri in bisi da Corsica o Barco Galea. Sa civilizzazione ha campato in Italia da un noesimo al primo secolo nanza di Gesù Cristo e di giunta sino a Corsica. Ogni bocchi di scolari o astiacci hanno voluto due imparare di più non ta subezzo di nostra storia antica coateli e ricostituzione.
Ecco dunque per tu nudizia le domande ridurre a Marianne Romani per i vostri nudizie. Buonasera a tutti in Anta France Raccorso via Stella.